allez bien? Oui. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voter pour... Pour le président? Non. On va voter pour quoi? Pourquoi? Pour qui? Pour les... Avant de commencer, quoi que ce soit, est-ce que vous vous rappelez des livres qu'on a vus ensemble avec Chantal les dernières fois où l'on s'est vus? En tout, il y en a combien? 5. Alors, dites-moi, quels sont ces 5 livres? Oh, oui. Charles à l'école des dragons. Charles à l'école des dragons. Un livre. Oui. Olépate. Ça fait 2 livres. Fin de loup. Fin de loup. 3 livres. Les oiseaux. Les oiseaux. 4. Il m'en manque un. Berlioz, chien de la cloche. Super. Berlioz, chien de la cloche. Vous vous rappelez bien de ces livres-là? Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de votre préféré? Oui. Ouais. Mais pas d'hésitation, rien. Non. Je lis, j'ai lu est un événement organisé par le Conseil Général de la Haute-Vienne. Ils ont lu, ils vont voter pour celui qu'ils ont aimé, pour celui qui les a touchés. Et comme on apprend à lire, on apprend aussi à voter. Pourquoi on appelle ça un isoloir ? Exactement, quand on est à l'intérieur et qu'on ferme le rideau, nous sommes isolés. Alors, je suis dans mon isoloir. Je fais quoi? Tu choisis ton papier. J'en choisis combien? Mais si j'aime vraiment 2 livres. C'est un vote nul, alors il faut vraiment en mettre un seul. Bon, alors, j'en choisis un. L'objectif d'une journée comme celle-là, c'est vraiment de concrétiser toute une année de travail sur les différents livres qu'on a pu leur lire toute l'année. C'est aussi d'aborder différentes choses finalement, parce qu'avec le vote, eh bien, on fait un peu d'éducation civique, on fait aussi un peu de mathématiques quand on fait le dépouillement. Il y a plein de notions qui sont abordées. Et c'est vrai que cette année, comme nous sommes en plus en période électorale, les enfants ont... pour certains d'entre eux, étaient votés avec papa ou avec maman à la mairie, reconnaissent les isoloirs et ça leur parle d'autant plus. La boîte qui est là s'appelle une urne. Je mets mon enveloppe dedans et je signe quoi? En face de votre nom. Puisque vous avez vu, toutes les enveloppes, elles sont identiques. Donc je n'ai aucun moyen de savoir qui a voté et qui n'a pas voté. Urnes et isoloirs sont mis à disposition par les mairies, comme cela se fait lors d'une élection. Cette initiative est un ancrage dans la citoyenneté et la culture. Première enveloppe. Charles à l'école des dragons. Une voix? Oui. Les isoloirs restent pendant, on va dire, quasiment 3 semaines, 1 mois dans les locaux de la médiathèque. Les parents les voient, les enfants les voient, ça amène toutes sortes d'interrogations. Et c'est aussi le moyen de parler avec tous les acteurs différents, de discuter de ce prix et de l'expliquer vraiment à tout le monde, puisque certains parents l'apprennent en voyant les isoloirs et découvrent ce que leurs enfants font ici à la médiathèque. C'est à quasi unanimité. Alors les enfants, oui, viennent d'autant plus, sont d'autant plus à l'aise et heureux de venir à la médiathèque. Et il y a surtout une énorme satisfaction pour l'enfant de retrouver le livre qui a gagné ou pas, qui faisait partie de la sélection Je l'ai, j'ai lu, de retrouver ce livre et de pouvoir enfin l'emprunter sur sa carte perso et de le ramener à la maison. L'année prochaine, on recommence le vote? Oui. On recommence le prix Je l'ai, j'ai lu avec d'autres livres? Oui. Bon, super. Alors en attendant, je vous dis à bientôt. Merci d'être venu. Je suis contente que vous vous êtes bien rappelé vraiment de tous les livres. Eh bien, on va vous laisser retourner à l'école, remonter dans le car. Et puis, je vous dis à bientôt, alors. À bientôt. Allez-y. Au revoir. Bon, ben voilà, ça... J'ai soif. Bon, ben, à bientôt. À bientôt.